Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie, nous avons la joie d'inviter aujourd'hui un habitué de mon micro. Je veux parler de Philippe Delorme. Bonjour. Bonjour Philippe. <laughs> Alors Philippe Delorme, évidemment, vous êtes le spécialiste de l'histoire, non seulement des têtes couronnées, mais de, on peut dire, de tout ce qui constitue euh, l'histoire à la fois de la France et de l'Europe. Oui, puis aussi des questions un peu euh, euh, qui, euh, je dirais, impliquent à la fois l'histoire et la science, parce que ça me passionne beaucoup de voir comment euh, euh, les techniques modernes euh, d'ADN ou, ou autres permettent parfois d'apporter un éclairage nouveau, euh, en tout cas un élément supplémentaire de voilà d'élucidation de, de, à certains mystères. Ça a été en particulier l'affaire de, de Louis XVII euh, voilà, qui était. Euh, résolu, je pense, par l'analyse de son cœur, il y a donc maintenant déjà 25 ans pratiquement. Hein. Donc euh, voilà, c'est c'est des, des affaires comme ça qui m'intéressent beaucoup, de... parce que pour moi l'histoire est aussi une science, en tout cas et peut-être un art qui utilise en tout cas des des méthodes scientifiques et qui doit respecter une rigueur scientifique et qui doit euh, voilà se plier au au canon de la de, de la science pour euh, pour d'abord établir les faits. Vous, vous, vous inscrivez et, voilà. beaucoup dans l'art. Suite à ah, la suite, on pourrait dire. De fustelle de coulanges, hein, de... Oui, et puis de, peut-être euh, de voilà, des documents, de, de l'historiographie allemande du 19e siècle aussi, qui a vraiment mis en avant l'idée d'analyser de, euh, euh, des documents euh, voilà avec une méthodologie euh, très sérieuse qui permet d'établir les choses telles qu'elles se sont passées. passées C'est ce que disait Léopold Van Ranke donc un des... Des fondateurs de, de l'histoire moderne, un allemand au 19e siècle il disait l'historien, c'est celui qui établit les, les faits, les choses telles qu'elles se sont passées. C'est déjà, alors ça peut paraître un peu bêta comme ça, mais finalement, c'est déjà un gros, euh, un, un difficile défi d'établir comment les alors, choses se sont -ce passées. cest à dire que vous accordez autant d'importance à, à, à la matière, évidemment, écrite, qu'à la matière euh, orale la tradition orale Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'ensuite la méthodologie historique nous apprend que, euh, à, je dirais, à, à hiérarchiser les, les, les sources. Euh, par exemple, une source écrite très proche de l'événement va avoir plus euh, de valeur a priori qu'une source écrite 30 ou 40 ans après, des mémoires. Euh, une source orale, c'est-à-dire un témoin qui parle sur le moment, euh, bon, sera peut-être plus crédible qu'un témoin qui. Euh, euh, va se souvenir euh, à long terme d'un événement et puis il faut par... faut cre... faut croiser aussi les témoignages croiser les, les sources euh, savoir d'où d'où l'on parle qui parle et pourquoi il parle et voilà donc tout ça c'est un travail justement qui met en place euh, un... toute, une méthodologie de... une... toute une méthodologie scientifique euh, tout en sachant bien que euh... Toute une partie de la vérité. Pas, voilà, il, bah, il ne s'agit je... pas d'être ennuyeux. ennuyeux. Et puis que la vérité <laughs> euh, nous des échappera des euh, voilà. des... La, la, la voilà. vérité nous échappera toujours. Parce qu'on a toujours. Euh, voilà, on, et puis on y, met, on y place toujours une part de subjectivité. Mais il faut essayer en tout cas d'avoir cet euh, cette effort, cette, euh, cette euh, tension vers la vérité. Je pense que, Alors vous avez fait paraître justement un ouvrage de 314 pages. <laughs> un ouvrage relié. Un Roger, très bel ouvrage avec un éditeur qui, a, qui va faire une très belle couverture. <laughs> Le, en, en mai 2024, et en la fête de Saint-Joseph-Artisan. Il faut croire que cet ouvrage vous a donné du labeur. Oui, et puis c'est un bel objet, donc euh, c'est formidable. <laughs> c'est un, une sorte de manuel, n'est-ce pas D'usuel que, que tout. Tom, de bonne volonté, tout honnête homme aura dans sa bibliothèque. Et ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, les livres sont souvent un peu laids, euh, euh, cheap, comme on dirait en anglais, enfin un peu bon marché, avec des couvertures molles et du papier euh, recyclé. Là, c'est vraiment un bel... Euh... Euh, — Un bel ouvrage. J'ai eu des éditions, d'ailleurs, de livres dans les pays de l'Est, et j'avais remarqué qu'en Pologne, en Tchéquie, etc., ils avaient tendance à faire des, des ouvrages plus, plus jolis, avec des belles couvertures en, en carton. — Et surtout voilà. Et là, voilà. Et cousu, là, voilà. là j'ai eu, pour une fois, en France, j'ai eu un, un beau livre en France, et j'en suis et vous, heureux. — Alors, je, je relativise <laughs> un petit peu, parce que l'éditeur est français, n'est-ce pas ?— bon. Oui. — Mais l'imprimeur est bulgare. Or. Ah ben bah voilà, donc c'est <laughs> des sur des pays de l'Est, alors oui. de, voilà, suivant. Bon, en tout cas, c'est très oui. c'est un très beau livre en, pour la forme et j'espère que le fond euh, voilà, sera aussi euh, attirant et, et <laughs> instructif pour nos lecteurs. Alors Jean Thulain vous a crédité, <coughs> vous a honoré d'une préface Ah oui, tout à fait euh... Et j'ai bien envie en, de la lire aussi. avant de <laughs> commencer à vous interroger je vais, je vais rougir. <laughs> sur ce que vous avez voulu concevoir à travers ce, cette contre-histoire de France. Ni romance, ni repentance. Après Michelet, Lavis et Bainville, Philippe Delorme nous propose une nouvelle, non une nouvelle histoire de France, mais une contre-histoire de notre pays qui explique le sous-titre Ni romance, ni repentance. Philippe Delorme est l'historien qui fait aimer l'histoire, à travers ses ombres et ses mystères, selon le titre de l'un de ses meilleurs livres, résolvant des énigmes qui touchent souvent à la grande histoire, comme ses deux ouvrages sur Louis XVII et le mystère qui entoura sa mort. Avec lui, on passe du quotidien des rois de France à la momie hurlante. Véritable détective de l'histoire, il nous fait découvrir une foule de petits faits qui éclairent toute une période. Mais l'heure de la synthèse était venue. Voici son histoire de France. Elle rompt avec le climat actuel de points mise en cause des grandes figures comme Colbert pour son Code Noir ou Napoléon pour sa misogynie du Code Civil. À la limite, c'est toute l'histoire de France qu'il faudrait condamner au nom d'idéaux anachroniques. Philippe de Lorme s'y refuse. Il remet les faits à leur vraie place. L'historien ne doit pas condamner, mais exposer. Mais il ne doit pas devenir chauvin et avoir des partis pris. L'auteur s'est démystifié la bataille de Bouvines, embellie par les chroniqueurs. On aime son portrait nuancé de duguay nuancé aussi dans son tableau du redressement de la France sous Henri IV. Aucune glorification et pas de silence sur les atrocités du populicide vendéen. C'est toute l'histoire de France revisitée avec une objectivité qui n'exclut pas la passion du style. Voilà le livre que l'on devrait imposer à la place des manuels scolaires. Écoutez, on ne peut pas mieux dire. <laughs> j'ai jamais heureux vu euh, une telle euh, louange sous la plume de Jean Tullard. C'est vrai que <coughs> j'ai été vraiment tout à fait <coughs> honoré de cette, de cette préface, d'autant que Jean Tullard est <coughs> vraiment un des modèles de, de ce que je pense être un historien un contemporain. C'est à la fois quelqu'un qui s'est travaillé avec beaucoup de sérieux, de rigueur et qui a. Euh, fait des, des découvertes, en particulier dans le, le, la période du, du Premier Empire, qui est sa, sa spécialité, mais aussi le XIXe siècle. Et, euh, ouais. Mais aussi d'autres sujets, parce qu'il s'intéresse par exemple à l'histoire du cinéma, euh, au pied nickelé. Enfin bon, il est très éclectique. Hein. Euh, mais euh, c'est vrai que pour moi, c'est un historien euh, idéal, parce qu'il est à la fois ouais. euh, voilà, cet homme sérieux, euh, ce scientifique, et en même temps, il sait écrire. Hein, et il écrit euh, il a une. Un talent. Je pense que l'histoire, c'est on... à la fois, voilà, à la fois, c'est à la fois un art et une, une science. C'est pour ça l'histoire. On a eu beaucoup trop d'historiens euh, contemporains du euh, du au XXe siècle qui faisaient d'une histoire euh, euh, sérielle, quantitative, rébarbative, euh, mal écrite, euh, souvent même presque illisible, jargonneuse, etc. Oui. Non, l'histoire, c'est aussi un euh, voilà, c'est aussi un art d'écrire. Hein. Clio était une muse, d'ailleurs, la muse de l'histoire. Hein. Donc, euh, donc voilà, moi je me place dans cette, euh, dans cette filiation d'historiens qui euh, écrivent sérieusement, qui font des, des études sérieuses et des recherches sérieuses, mais qui euh, essayent d'avoir une plume agréable oui. et, et lisible, en tout cas, au moins. En tout cas, c'est ce qu'il vous reconnaît, puisqu'il. De votre style. Et c'est vrai que le livre est très fluide, ce livre, de manière très fluide. Vos chapitres sont courts, c'est oui. volontaire. Vous oui, avez... alors si vous voulez, ce livre, comme, me disait, Jean, comme disait Jean Tullard, c'est un petit peu le, 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 le résumé euh, peut-être d'une quarantaine d'années de travaux maintenant, hein, euh, euh, que j'ai mené euh, à travers l'histoire de France de manière différente, à la fois des articles que j'ai pu faire dans les différentes revues euh, auxquelles trava avec lesquelles j'ai travaillé. Des, euh, des recherches ponctuelles sur tel ou tel sujet. Voilà. Vous donc, tout conçu ça, en trois époques. Euh, oui, alors, euh, oui, trois époques. Alors, trois époques qui font chacune 15, 15 <laughs> chapitres, je crois. Hein, donc c'est très, <laughs> voilà, c'est extrêmement. Première voilà. époque, commencement des origines à 1180. Deuxième époque, épanouissement mmh. de 1180 à 1774. Et enfin, troisième époque, bouleversement de 1774 à nos jours. Voilà, ça, ça ça transcende un petit peu les coupures habituelles qui sont un peu artificielles, Moyen Âge, époque moderne, époque contemporaine, etc. Parce que en fait, euh, voilà, j'ai pensé, euh, je réfléchis, j'ai réfléchi à l'idée de d'abord de, de, de l'installation de la France, euh, la création. -ce que bah, vous citez la France, ville, évidemment. Voilà d'où hein, ça vient, d'où euh... elle vient, elle aurait très bien pu. c'est, Je pense que c'est une des leçons de ce livre, oui. c'est de dire que la France telle qu'elle existe, cet hexagone presque parfait, euh, n'était pas inscrit dans la, euh, dans, 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 dans la par la Providence, je dirais, dans la fatalité de l'histoire, mais a été une construction euh, faite un peu de hasard, en partie, de, beaucoup de travail, beaucoup de... de D'efforts et en particulier l'effort d'une famille qui était la famille capétienne, qui a quand même apporté au long d'un millénaire ses euh, pierres petit à petit à cet édifice. Mais on aurait très bien pu à certains moments euh, voir. Cet que Cet état la France ne s'est pas fait tout seul, voilà. elle ne s'est pas fait sans peine. Enfin, cet état, pardon, il ne s'est pas fait sans peine, il s'est fait de main d'homme, plusieurs fois il s'est écroulé, mais il a été rebâti. La combinaison France nous paraît naturelle. Il y a eu, il y aurait pu avoir, y avoir bien d'autres combinaisons. Alors ça, c'est Baville. C'est Baville qui C'est Baville et Baville, euh, justement, Baville, on le présente souvent comme celui qui avait une vision un peu téléologique, vous savez, c'est-à-dire l'idée que les choses telles qu'elles sont aujourd'hui sont un résultat euh, obligatoire d'une évolution euh, voilà, qu'on allait de toute éternité vers, vers la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et non, finalement, euh, cette, euh, cet extrait de ma ville montre que lui-même euh, était bien conscient que, que la France, d'abord, euh, aurait pu très bien ne pas exister parce que, finalement, au moment, euh, d'abord, la Gaule elle-même, on peut discuter, enfin c'est ce que je fais dans le, un des premiers oui. chapitres, de l'existence même de la Gaule. Est-ce que ce n'est pas une Loir construction et que ce n'est pas une construction a posteriori euh, de Jules César, hein, qui a regroupé euh, sous ce nom de Gaulle euh, des éléments qui étaient quand même très, très, très divers. Hein. Euh, et puis ensuite, euh, eh bien, euh, après l'invasion des Francs, après, euh, euh, eh bien, la France aurait très bien pu euh, ne pas exister telle qu'elle qu était. On a, au moment de l'Empire de Charlemagne, eu plusieurs découpages qui étaient. Des découpages parfois euh, nord-sud, est-ouest, etc. Donc, on aurait très bien pu imaginer, euh, voilà. Une... Mais votre synthèse sur là... la. Alors oui, comme vous dites. Alors, ce qui n'exclut pas, et vous n'excluez pas, des interventions qu'on pourrait dire de la providence dans l'histoire. Alors France. ça, je dirais que c'est hors du domaine direct oui. de l'historien. C'est pas, pas l'objet voilà, de votre pas livre. Mais vous n'excluez pas ce genre de choses. Ça chose. pourrait être euh, une vision. Alors ça, c'est une vision de croyant, une vision bah, théo théologique, par exemple. Euh... Ça, je dirais que l'historien ne peut pas euh, utiliser ce genre d'éléments directement. En tout cas, il peut les, les exposer. Dire voilà, effectivement, quand on a un personnage le, le comme Jeanne d'Arc. Ça, sacré existe dans l'histoire. Alors, oui, je pense qu'alors là, l'idée d'une transcendance, l'idée voilà, voilà, que. Voilà, l'idée d'une transcendance, l'idée que. La politique, et alors c'est justement, là on en arrive à l'actualité, hein, l'idée que la politique doit être attachée à une transcendance, à une spiritualité, à quelque chose qui la dépasse, oui. euh, ça je pense que c'est très important oui. et c'est quelque chose qui a été constant dans l'histoire de France. Alors, euh, c'est même, même à l'époque des Gaulois. Parce que oui, votre bien chapitre sûr, oui. sur les Gaulois est admirablement fait, on le verra, parce que vous êtes loin de prendre les Gaulois, de ne pas les prendre au sérieux, n'est-ce pas Vous montrez que ah, c'est une oui. société finalement assez structurés malgré les disparités des tribus gauloises et qui ont quand même un corpus euh, de, de, de croyances. Bien sûr, euh, oui. oui. Une, une, une avancée dans les techniques mm -hmm. que, que l'on ignore souvent. Alors, le problème des, de la Gaule, enfin, de la Gaule, j'irais des Gaules d'ailleurs, parce que c'est la guerre des Gaules, hein, d'ailleurs. Euh, enfin, il y a les Gaules, il y a la Gaule celtique, la Gaule aquitaine et puis la Gaule belgique. Hein, donc, c'est trois éléments qui sont quand même très, très disparates. Mais donc, dans l'ensemble, effectivement, le, ce qui est commun à ces pays, c'est que. Euh, ce sont des cités, des cités indépendantes mais qui ont chacune ouais, une structure un peu comme les cités grecques hein, en fait mmh. de, de, Vous y prenez de la tripartition euh, euh, voilà on retrouve euh, ce qu'on retrouve, euh, qu retrouve chez les, les indo-européens mmh. ce, que, ce que Georges Dumézil avait bien mis en, en valeur, l'idée que qu'on est dans une société indo-européenne donc euh, par la culture celtique évidemment on est branché directement sur le, les indo-européens mais euh, c'est une, une, une culture qui, qui n'est pas entrée dans l'histoire dans la mesure où elle avait peu d'écrits. Euh, alors il y avait une langue, bien sûr, qui était de temps en temps écrite, le, le gaulois, on a quelques inscriptions en, 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 en gaulois, mais euh, ce n'était pas une langue qui, dans l'ensemble, était écrite parce que euh, je pense qu'il y avait un côté religieux, l'idée qu'il fallait une transmission euh, orale des, des choses pour qu'elles soient... Euh, qu'elle soit véritablement intégrée. Enfin, il y a sans doute un peu cette idée-là d'une transmission orale. Et les Gaulois, lorsqu'ils voulaient euh, écrire quelque chose, bah, ils passaient plutôt par le grec ou le, ensuite le latin. Donc, euh, donc qu l'image qu'on a des Gaulois, euh, elle, elle nous vient en, en général d'auteurs gréco-latins euh, qui n'ont pas toujours bien compris euh, le fonctionnement, de, comme des sociétés germaniques d'ailleurs. Hein, pas toujours très bien compris leur fonctionnement et qui ont plaqué parfois leurs propres idées sur, euh, sur des sociétés étrangères. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, euh, on n'a pas gardé euh, de textes, euh, par non. exemple Alors, si, des vous druides, savez que, des choses comme ça. Vous savez qu'il voilà. y a quand même une controverse énorme autour de Glosel. Euh, ah oui, mais enfin là, Glosel, euh, c'est bon. pas très. Euh, D'ailleurs, ce, mmh. euh, ce, ce serait plus ancien que, que, que si on peut dire, que, la, euh, que les Gaulois, puisque ce serait une. C'est une écriture qui, qui viendrait plus ou moins de Phénicie, de, de enfin on ne sait pas exactement. Enfin, je pense que. Oui, on très franchement. Même pas sûr que ce soit de. Non, je pense que Glosel n'est pas, 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 pas sérieuse. Tout, et ce n'est pas une. Effectivement. Alors, c'est une belle histoire parce que. Moi, oui. Vous savez que j'ai rencontré euh, Fradin, euh, qui, était, ah oui. qui est mort à 102 oui. ans ou quelque oui. chose comme ça, et j'avais été le voir. Il avait déjà 93 ou 94 ans. C'est un petit bonhomme, un petit paysan un peu madré de. Euh, il vous vous, vous 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 l'avez pris au sérieux C'est compliqué parce qu'il restait oui. très très paysan. Hein. Il y avait un côté il en disait il disait que ce qu'il voulait bien dire. Moi je pense que c'est plutôt des gens qui étaient à autour de lui. Hein. Oui. Ce professeur je sais plus quel était le nom qui était mmh. qui était euh, de Vichy là ou, de, ou instituteur ou quelque chose comme ça. Il y a eu toute une camarilla autour de lui qui oui. s'est euh, qui s'est formé lui-même, euh, lui-même, là-dedans, je ne sais pas quel est le rôle qu'il a pu... Alors, probablement qu'à Glosel, il y avait euh, des choses, des choses du, probablement du Moyen-Âge, voire de la fin de l'Antiquité, qu'on a retrouvées, il y a quand même des éléments, ben et oui. à côté de ces éléments réels, euh, on a, tout brassé, hein, réels, on a, a rajouté des choses qui étaient manifestement fausses, donc... Euh, euh, donc c'est un peu un peu compliqué à savoir. En tout cas, disons que ça n'a pas à voir directement avec la société gauloise. Ouais. Euh, c'est vraiment quelque chose d'un peu. Alors pour cette première époque, euh, vous allez des... donc que vous intitulez commencement, vous allez des origines à 1180. Pourquoi avoir choisi cette date de 1180 euh, Alors 1180, euh, c'est euh, donc euh, c'est hein, si je... je ne me trompe pas. La <laughs> <laughs> seule coup, j'avais un petit un petit doute. Oui, parce qu'en en fait, c'est vraiment. À partir de Bouvines, qu'on commence à percevoir euh, la France, euh, un embryon de ce que sera la France. C'est-à-dire pour la première fois, le roi donc Philippe Auguste euh, rameute autour de lui euh, un certain nombre de, de milices, de milices des villes euh, du nord de la France pour euh, damer le pion euh, à l'empereur allemand, euh, donc qui. Euh, et donc là, on a pour la première fois vraiment, on commence à avoir euh, l'idée d'un roi de France, hein, rex franciae, et pas non plus rex francorum, c'est-à-dire euh, roi des francs, hein, euh, roi de France. Et donc à partir de ce moment-là, les capétiens, euh, c'est aussi le moment où les capétiens ne font plus, euh, euh, s'installent vraiment dans le pouvoir parce qu'ils ne font plus sacrer leur fils de, de leur vivant. Hein, donc, la dynastie est vraiment légitime par elle-même, elle a vraiment pris la place des, des Carolingiens. Euh, et donc, là, on rentre vraiment dans l'histoire. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre dans l'histoire de France, euh, alors, même s'il pas... va <laughs> falloir encore très longtemps. Euh, oui, mais, euh, mais vous, bah, êtes... bien évidemment, il faudra vous dites tout de même longtemps. que c'est au moment du baptême de Clovis que tout commence. Ah, hein. alors. Bien sûr, il y a plusieurs Moi Je vais hein, vous de lire, de Comment baptême de va... Clovis, baptême de la France, naissance de la France. Oui, mais il y a un point, théorie, un point reste. In... Ah non. non, il y a un point de suspension. Un point de suspension. Okay, un voilà. point reste indéniable. La cérémonie de Reims constitue l'un des événements de notre histoire nationale. Voilà. La cérémonie de Noël 496, puisque la tradition a consacré cette date, figure le triomphe de la religion chrétienne en Gaule. Lorsqu'il abaisse son front sous l'onction de Rémy, le fier Sicambre reconnaît la supériorité de la civilisation romaine dont son peuple a depuis plusieurs générations subi l'influence bénéfique. Oui, c'est une lente, une lente acculturation puisque son père était déjà général romain, etc. Oui. Donc, euh, en fait, là, il, euh, il adopte la religion majoritaire des, des Gallo-Romains de son époque, qui est le, le catholicisme romain, je dirais, par rapport à l'arianisme, hein, qui était une une hérésie qui avait été adoptée par d'autres peuples, en particulier les Visigoths, euh, en Espagne. – euh, Les Burgondes aussi, en partie. Euh, et donc, en adoptant cette religion qui est la religion des Gallo-Romains, euh, je dirais, il se met les Gallo-Romains dans, dans sa poche, d'une certaine manière. Oui, en tout oui. cas, il, voilà, il devient légitime aux yeux de la hiérarchie euh, des évêques, hein, qui ont remplacé d'ailleurs, depuis la fin de l'Empire, euh, qui ont remplacé un peu les gouverneurs, etc. Oui, et L'administration, euh, donc, <laughs> euh, donc il a, euh, là, voilà, il pa passe un pacte euh, qui sera un pacte définitif entre euh, la nouvelle, euh, la, la nouvelle, comment, euh, les, 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 les envahisseurs, si on peut dire, euh, francs et euh, la population, donc, qui était. Euh, euh, qui était, euh, qui était gauloise. gauloise, mais qui était enfin gallo-romaine et, oui. euh, et qui avait euh, adopté et gardé le, 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 le christianisme romain donc, euh, orthodoxe, enfin orthodoxe au sens, <laughs> voilà, euh, au sens réel du Alors, terme. Alors, avant que nous développions vos, votre idée euh, concernant Bouvines, parce que de ce point de vue-là, vous avez quand même une vision assez originale de Bouvines, euh, il faut. On n'aura pas le temps, évidemment, d'aborder la question des invasions euh, des invasions arabes, enfin. Oui, en alors Europe, ça, ça mais, peut être intéressant quand mais on, même. Oui. Mais euh, pour revenir à oui. cette histoire de, 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 de Clovis, si vous voulez, il y a une euh, un, à l'autre bout de l'Europe on a, ou euh, même un peu plus tard mais on a Saint-Vladimir, vous savez et, et oui. Saint-Vladimir c'est un peu le même, le, le, le même schéma que, que, que les Francs, puisque Saint-Vladimir était un était un Scandinave, était un Viking en fait, hein, qui, oui, avait instauré, euh, euh, qui avait instauré, qui avait imposé son autorité sur des populations slaves, donc euh, qui vont de la Russie actuelle à l'Ukraine actuelle et la Biélorussie entre les deux. Et donc, ce Saint Vladimir, euh, eh bien, qui était un rieurique, qui descendait donc d'un chef, euh, d'un chef Scandinave, eh bien, il a adopté euh, la religion. Euh, euh, chrétienne euh, grecque enfin oui. le rite grec, mais à oui, l'époque il oui. n'y avait pas encore de, 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 de séparation entre l'occident et l'orient donc c'était le même rythme, enfin la même euh, la, le, la même, motion, arbre, le hein. même arbre voilà que euh, il faut attendre 1051 pour qu'il y ait une, une séparation 1050, entre l'orient et l'occident mais 54, dans 51, c'est le mariage oui, de, voilà. <laughs> de Dan de, de Kiev, c'était quelques années avant, oui. Avant oui. De... Donc voilà, on a un peu le même modèle, c'est-à-dire d'une population, euh, d'un envahisseur qui vient en petit nombre finalement, parce que les francs n'étaient sans doute pas non plus très 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 nombreux, et qui adoptent les coutumes et la religion du, du peuple qu'ils do vont dominer, et, Donc, et qui vont s'amalgamer si... en fait, et qui vont devenir plus... Qui euh, vont prendre la langue romaine, la langue latine, euh, etc. Enfin, et puis ensuite le, le ce qui deviendra le français. Donc voilà, Et, et si bien que le pays va s'appeler la France d'ailleurs. Hein, C'est euh, comme la Russie va s'appeler. Euh, Ça vient de la Russe. La Russe qui oui. était un, qui était en fait le nom de de, de cette peuple-là de Scandinave. Donc euh, voilà, on a vraiment le même et, modèle. Et pendant ce temps-là, l'Empire byzantin continue. Alors l'Empire byzantin qui, lui, alors, continue de son côté à irriguer voilà, une nouvelle oui. chrétienté, de nouvelles chrétientés comme ça. là. Et puis à l'Occident, euh, eh il y a l'Empire germanique, mais aussi euh, bon, la France qui, elle, commence à pointer le, le, le bout de son nez. <laughs> mais c'est-à-dire -ce qu'il y avait encore euh, euh, cette apparence de, de filiation romaine Est-ce qu'elle existe encore à l'époque de Clovis Ah bah oui, parce Et... que d'ailleurs il reçoit à un moment euh, un titre de consul hein, de, de l'Empire d'Orient. Donc oui. il, est, il y a encore l'idée que l'empereur d'Orient qui est là-bas euh, oui. est quand même l'empereur. Euh, bon, euh, Et c'est la, même... va... la même chose pour euh, Vladimir à Kiev Ah, bah, c'est-à-dire que Vladimir, lui, il s'inscrivait est... il moins dans la... Euh, dans la dans, dans, dans la tradition gallo-romaine enfin il avait ah bah, pas euh, il, il venait pas d'une ré, d'une région non. qui avait appartenu à l'empire ah, hein, hein, donc c'est une région qui était hors de l'empire donc c'est un peu différent mais oui il reconnaît en tout cas euh, à l'empereur il a Isanta, aussi une investiture euh, il lui reconnaît une certaine prééminence en tout cas oui. religieuse mais oui. c'est moins net dans la mesure où effectivement euh, la rousse la, la Ruthénie n'avait oui. jamais fait partie de de l'ensemble romain hein. donc c'est un peu différent mais au point de vue religieux bien évidemment euh, d'ailleurs il va épouser euh, vladimir on va épouser une, une fille d'un de, des empereurs hein. donc euh, voilà on a, euh, on a on a vraiment une l'idée quand même que c'est là que se situe quand même la, la la nouvelle Rome, mmh. hein, ben vous savez, il y a la troisième Rome, il y a la Rome, euh, Rome, ensuite il y a la Rome Constantinople, hein, et oui. puis la troisième Rome, ça sera, ça sera, Moscou, mais beaucoup plus tard. Mais enfin, il y a l'idée comme ça d'une tra transmission euh, de la foi et de transmission, euh, de la tradition de la religieuse à travers, euh, à travers ces, ces trois, ces trois villes. Est-ce que vous voulez ajouter un mot euh, au sujet de de, de, de Bouvines ou? Non, ben Bouvine, comme je disais, c'est vraiment voilà. la, le moment où euh, peut-être où les Capétiens vont vraiment nouer euh, un pacte avec le peuple, fran le peuple français directement par-dessus euh, la, euh, par, par par la féodalité. Hein, Jusqu'à maintenant, le roi était le premier des, des féodaux, pas le premier d'ailleurs toujours. Euh, par la force d'ailleurs, parce que le petit souverain de d'Île-de-France de, 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 était souvent beaucoup plus faible que le, le grand-duc d'Aquitaine, le duc de Bourgogne ou, ou autre. Mais là, à partir de Philippe Auguste, eh bien, <laughs> euh, d'abord les villes vont commencer à avoir des, à prendre leur liberté il va y avoir des chartes municipales donc les villes vont s'affranchir du, du carcan de la féodalité et vont euh, justement être accompagné dans ce mouvement de libération par, euh, par les rois qui trouvent justement un moyen, en favorisant la bourgeoisie des villes, de, euh, de contrecarrer, de contrebalancer l'importance des, des féodaux. Donc là, on a le premier, premier moment où on voit ça. On le verra aussi avec Saint-Louis quelques années plus tard, lorsqu'il revient, je ne sais plus à, euh, les circonstances exactes, mais enfin, il, re, il revient d'Orléans ou quelque chose comme ça, et sur la route, il est pris... Euh, euh, par un, un seigneur pillard ou je sais pas quoi et donc il y a la euh, Blanche de Castille revient à la rescousse avec la, les, les bourgeois de Paris pour le libérer. Non. Oui, euh, le roi euh, n'était pas un, en sécurité. Arpagon, il me semble. Voilà, oui. c'est ça. Hein. Donc, euh, <laughs> vous voyez, donc euh, là vraiment il y a l'idée que le roi c'est le roi euh, du peuple aussi et de, la, euh, de la population des villes hein, et donc euh, au-delà de, de, ces, de, ces, de du carcan féodal un petit peu qui euh, oui. Et là, ça commence, et pour ça que j'ai recommencé, j'ai commencé cette deuxième partie oui. euh, à partir de ce moment-là, oui, oui. parce que tout le Moyen Âge, ça va être ce mouvement euh, petit à petit d'affermissement du pouvoir euh, du pouvoir royal, de l'identité euh, française, euh, bah, à travers l'affrontement contre l'Angleterre, euh, qui va durer non pas 100 ans, mais 200 ans, puisque ça commence d'abord avec... Euh, Aliénor d'Aquitaine qui se remarie avec, le, le, avec Henri Henri de Plantagenet donc qui fait que la moitié de la France actuelle passe à l'Angleterre ensuite on va avoir après dirais, euh, un retournement de situation à nouveau euh, avec la mort du, des, des derniers Capétiens euh, sans euh, l'idée que le roi d'Angleterre Édouard III euh, prétend être roi de France donc on va avoir à nouveau une, une nouvelle séquence de 100 ans de guerre. Donc tout ça va obliger, euh, pas obliger, enfin va inciter les Français à réfléchir sur, euh, sur, ce euh, sur, sont. sur ce qui sont par rapport à ce que sont les, les ennemis, les, les godons, comme on disait, les Anglais, hein, qui étaient. Euh, voilà, qui étaient euh... Alors nous écoutons donc Philippe Delorme qui nous entretient de quelques sujets évoqués par sa contre-histoire de France, Ni Romance, ni Repentance, édité chez Via Romana. Et je vous rappelle à tous nos auditeurs que la radio ne vit que grâce à leurs dons. Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs, l'ouvrage de Philippe Delorme euh, se développe donc en trois, on peut dire trois grandes époques. Et nous parlons, nous allons maintenant évoquer euh, la question donc, de l'épanouissement que vous avez commencé à oui. aborder, que vous faites finir en 1774. Et c'est-à-dire qu'à partir de 1774, la France sera constamment en déclin Oui, vous. alors je dirais c'est un peu les dernières, la dernière chance, c'est au moment où, où Louis XV dissout les parlements, hein, qui étaient des parlements qui n'avaient rien à voir avec un parlement, parce qu'on on vivait un peu sous une. Une équivoque qui était l'idée du Parlement anglais, qui était un, déjà un Parlement comme aujourd'hui. C'était élu, alors à élu de manière peut-être pas très démocratique, oui, pas en tout cas, cas peu, à élu. Oui. Euh, alors mmh. que les Parlements français étaient simplement des juges qui avaient acheté mmh. leur charge et qui étaient donc une sorte d'oligarchie en fait, euh, qui n'avait aucune, aucune, je dirais, aucune légitimité populaire ni quoi mmh. que ce soit, mmh. qui ne représentaient que mêmes et leurs intérêts. Mais ces parlements français vont euh, mettre des bâtons dans les roues à la monarchie, euh, donc à partir de Louis XV, euh, euh, même déjà... un hein, oh, peu commencé enfin, avant. Oui. Enfin, D'une manière générale, pour euh, empêcher la monarchie de, de se réformer. Euh, et, et, et Louis XV a eu, dans ces dernières années, l'idée oui. de, eh de, de renvoyer ces parlements, hein, et donc euh, voilà, de se, se libérer. Euh, mm. Voilà, les le problème, euh, c'est qu'il n'a pas transformé l'essai. Euh, il n'a pas transformé l'essai parce qu'il est mort assez mmh. vite, je pense, et puis qu'il y avait des telles pesanteurs... Et que des vrais réformateurs n'ont pas pu, euh, comme oui, Maupou, par voilà, exemple. Voilà, et donc Louis XVI, mmh. qui était lui, pourtant, quelqu'un de réformateur, qui avait mmh. des idées intéressantes, qui a d'ailleurs instauré, qui a essayé d'instaurer, par exemple, des, des, parleux, des, 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 des assemblées provinciales, oui, des choses comme ça. ça. Donc, euh, c'est pas non plus Louis XIV... Euh, Louis, Louis XVI, pardon, avait des, des, des idées. Mais Louis XVI était un homme très moderne. Très mais moderne. il était très moderne, mmh. il était euh, très, un, probablement un de nos rois les plus cultivés, connaissant la géographie, la science. Enfin euh, mmh. bon, c'était un homme de, 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 de grande culture, qui manquait peut-être de psychologie, cest à -dire mmh. de, 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 comprendre la compréhension des événements, mais oui. personne à l'époque n'a a vraiment compris. Oui, oui. Euh, difficile. Mais je dirais qu'on est à l'époque une époque de blocage, en fait, et un peu. Oh, je, je trouve que notre époque lui ressemble, ressemble beaucoup à cette époque. Oui. Euh, on a l'impression que les institutions sont bloquées parce que chacun et que euh, deux Frances euh, se font face. Euh, que deux Frances se font face, qui a bon évidemment une France de privilégiés à l'époque, qui euh, mais qui, qui était déjà euh, enfin où la bourgeoisie avait déjà une importance euh, considérable, euh, considérable. Oui. Mais on a. Euh, voilà, on avait déjà cette idée d'un blocage institutionnel euh, et même euh, philosophique d'ailleurs, philosophique, hein, économique, entre une conception euh, verticale euh, du pouvoir, une conception oui aussi oui, oui, bien sûr, euh, bon, Mais euh, ça, on en oui. a déjà là, on est déjà euh, hum. complètement, <laughs> on a complètement évacué le, le problème, hum. hélas. Ouais. Euh, mais euh, on avait euh, aussi un problème, un blocage économique, hein, c'est-à-dire qu'on avait une structure de l'État qui euh, commençait à se développer, qui avait besoin d'argent pour, euh, bah, pour devenir un État moderne avait, et assumer un certain nombre de, euh, de tâches qui sont celles d'un État moderne, mais ils n'avaient pas les ressources euh, fiscales euh, mmh. nécessaires. D'autant qu'il y avait une effectivement, alors on le disait tout à l'heure, quand même une injustice fiscale extrême par le fait que euh, certains privilégiés, euh, en particulier la, la noblesse, euh, avait des, 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 exemptions qui ne représentent, qui ne correspondaient plus à un service rendu. Parce ça. que, euh, au Moyen-Âge, le, peut-être que la noblesse payait pas d'impôts, mais elle assurait mmh. un service militaire, On etc. peut même, on peut même dire que l'église, euh, hein, Et l'église, alors. L'église ne, ne voulait, elle, même si elle rendait énormément. Voilà, l'église, c'est un peu parce plus compliqué, oui, parce qu'il oui. y avait une part, effectivement, de, 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 de Enfin d'exonération de, de, euh, d'injustice ah. mais en même mais en temps l'église euh, elle assurait l'instruction elle l'hôpital assurait... un certain nombre de choses oui. qui vont être complètement euh, oui. démantibulées d'ailleurs on pendant la révolution parce oui. qu'on va fermer les écoles de village, on va faire les hôpitaux qui étaient tenus par les bonnes sœurs ou autres, bah, tout ça va, oui. va il va falloir remettre tout ça en place donc l'église, bon c'est vrai qu'il y avait euh, des prélats euh, de, de, de cours qui euh, c'est quand qui, même qui, qui incroyable c'est que, euh... que les personnes de l'époque les plus bon les plus nanties on dirait mm -hmm. n'ont jamais voulu nous jamais voulu comprendre qu'il était de leur intérêt de participer à, à, à la résorption mais... de la dette excusez-moi euh, du oui, terme oui, oui, on non, a l'impression mais... qu'on est encore un peu oui, dans euh, y euh, y avait des situations un blocage, situations... Euh, un blocage. Le, donc le roi euh... Euh, donc se trouver face à cette... C comme aujourd'hui, hein, face à cette... <laughs> euh, C'est bon, pour ça que j'aborde cette, cette question. Cette ab euh, abyssale dette, hélas, euh, cette ça, dette colossale bon. qui était... <coughs> Euh, qui, qui, qui d'ailleurs a été résorbé euh, à la fois en vendant les biens nationaux, c'est-à-dire mmh. en dépouillant l'église et puis un certain nombre d'aristocrates de leurs de leur biens qui, qui ont été vendus mmh. euh, bradés à des, à des bourgeois, à des bourgeois oui. ou à des paysans en Antilles mmh. qui se sont, se sont enrichis par là mmh. et puis euh, et qui n'ont pas pour autant non, 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 assuré non. le bonheur du peuple euh, hein. pas, 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 <laughs> pas du tout euh, mmh. et puis par une espèce de banqueroute, c'est-à-dire mmh. qu'effectivement on a, on a dit, on a décidé que l'argent ne valait plus rien, grosso modo, hein, ça a été les assignats, etc. Donc il a fallu attendre Napoléon, mais enfin bon, Napoléon nous a embarqué aussi dans une autre, euh, dans une autre aventure euh, assez, assez, euh, assez funeste aussi pour la France euh, à travers ses, 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 conquêtes, euh, ses conquêtes inutiles et, et surtout sanglantes. Plus ou moins forcé par l'Angleterre. Plus ou moins Là, Je vais enfin, mettre du côté de Jean Tullard. Ou de, ou de Bainville, <laughs> parce que Baville explique tout ça, mmh. que l'Angleterre. Bon, je pense quand même qu'à un certain moment, Napoléon aurait pu calmer le jeu, obtenir, mmh. une, après, après la paix d'Amiens, par exemple, avec, avec mmh. l'Angleterre. Mmh. Euh, mais c'est ce qu'on qu appelle l'ubris. Voilà, mmh. il est parti euh, en vrille, on pourrait dire. Hein, euh, mais il faut dire que la France était le pays le plus peuplé, le plus riche, euh, quand on dit euh, à la fin de l'Ancien Régime. Ah bah Peut-être oui. qu'on était en crise, mais c'était, mmh. on était euh, un État en crise dans un pays mmh. extrêmement oui. riche. Enfin, avec une marine dire, magnifique. Avec une marine que mmh. Louis XVI avait commencé à restaurer oui. Euh, oui. et qui s'apprêtait à à damer le pion à l'Angleterre. Hein, si on avait gardé, euh, si on était parti sur cette euh, base-là, on aurait peut-être récupéré euh, le Canada et on parlerait peut-être euh, français en Amérique aujourd'hui. Hein, euh, et puis en Inde aussi. Hein, donc on a effectivement, là, là on a perdu, euh, ce que Napoléon nous a refermé sur l'Europe en fait. Hein, et lui, il n'avait pas tellement de vision à, à, long, à grande... Euh, ou euh, la... du grand large, alors que peut-être que l'avenir de la France était sur les océans, c'est ce que Louis XVI avait compris. Hein, le seul voyage qu'il fait dans son règne, Louis XVI, oui. c'est à Cherbourg. Hein. Il y a un livre oui. qui vient de sortir, d'ailleurs, je crois, à nouveau. Sur... Le voyage de Cherbourg. Voilà, j'en avais l'homme qui rêvait de, le roi qui rêvait de voir la mer ou quelque chose comme ça. Et donc j'en avais parlé, d'ailleurs, dans un de mes livres, euh, il y a longtemps, qui s'appelait les, les Princes de la mer, où j'avais raconté ce voyage de Cherbourg. Oui. Au Louis XVI pendant quelques jours, il est vraiment lui-même parce que là, il est sur les bateaux. C'est son rêve, quoi. Il aurait voulu être. Il aurait fait un excellent capitaine probablement. Oui. <laughs> et, et il visite le port de Cherbourg. Il visite les, 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 voilà, les, les nouvelles fortifications. Il va. Donc là, il est vraiment. Et puis on, on le voit aussi lorsque il, il note les euh, le voyage de. Le voyage de comment de, 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 Bogazil, de la Pérouse, la Pérouse, voilà, la Pérousse, puisque euh, oui. euh, c'est lui. On a euh, c'est à la bibliothèque de Mazarine, hein, euh, oui. euh, l'Académie la française à Paris, française, de. À Paris oui. où on a de, de la main de Louis XVI. Il a noté. Vous passerez par là, vous ferez, vous prendrez parce qu'il y a tel vent, etc. Donc oui. il a eu une connaissance extraordinaire oui, oui. de euh, l'ivresque, bien sûr, mais enfin de de, de ah, la géographie. Bah oui, et oui, c'est un personnage étonnant, mais en même temps décevant, parce qu'il a, il a raté. Il avait une, une telle potentialité de, de réussir. Et, et voilà, oh, pas... oui, mais alors écoutez, oh. vous, <laughs> vous vous souvenez que Jean de Vigry, hein, qui a écrit sa biographie, disait lui-même qu'il était parti en ayant un avis très négatif sur mmh. la pseudo-faiblesse de Louis XVI, et que en étudiant les choses, il se disait qu'il était très difficile pour lui de se sortir mmh. de la situation inextricable mmh. dans laquelle était enfermée la France. Moi, ouais, je ne pense pas qu'il ait été Il n'était ce... 18... pas oui. faible, il, était, oui. il a été maladroit, je pense. Oui. Plus, plus maladroit et oui. avec, il a manqué de psychologie, mais oui. même avec sa femme. Hein. J'ai écrit une biographie oui. de Marie-Antoinette. Oui. On se rend bien compte que avec Marie-Antoinette, il aurait pu utiliser ce potentiel de oui. charme, de. Euh, voilà de, de, de qui était qui était Marie-Antoinette plutôt que de l'enfermer dans un rôle euh, secondaire de la de la tenir en suspicion permanente d'en de, de, de faire le finalement la cible des euh, des etc euh, non là ça a été une erreur oui. bon, oui. c'était on ne oui, pas l'histoire, on peut pas le non plus. Et puis quand on euh, est euh, grand voilà. chef d'État, il faut avoir un certain cynisme. Voilà. Et, et, il et a un, était trop, et un voilà, sens bien de bien. la manipulation. Il était <laughs> trop. Il bah, C'était un homme de son temps. Il croyait à la bonté humaine. Oui, <laughs> c'était voilà. un Rousseauiste. Ça a hein. été son problème. Oui. Il pensait que l'homme était bon, hein, donc <laughs> c'était. Euh... Et puis il était myope aussi. Hein. Ça, c'est aussi important. <laughs> euh, physiquement, il était myope et il ne voyait pas. Donc, ce qui fait que ces contacts humains, lorsque quelqu'un arrivait vers lui, est très euh, juste il est le voyait juste, à deux ouais. mètres. Hein. Et oui. donc, euh, les gens se disaient Oh là là, il est vraiment pas sympa, <laughs> il n'est pas accueillant, etc. Mais c'est parce qu'il ne voyait pas. Donc, il y, y a des choses aussi comme ça qui sont. Euh... Euh... Alors, vous abordez voilà. évidemment la question de la révolution. On n'a va, on va pas, pas le oui. temps d'étudier, mais. J'ai beaucoup aimé que vous rétablissiez la vérité sur ce que nous fêtons le 14 juillet, à savoir oui. la fête de la fédération de oui. 1790. Oui, qui est plutôt non, sympathique. Voilà. Euh, là, bon. qui était plutôt une, une, oui. euh, un petit peu un, moment, un moment de grâce. Et non les... pas cette boucherie oui. euh, complètement mythologique, parce que, oui. comme vous le dites très justement, euh, la Bastille, euh, elle s'est ouverte toute seule. Bah, la Bastille mmh. était une prison qu'on avait démo qu on plus qu on personne. voulait démolir depuis voilà. longtemps parce que l'urbanisme parisien, enfin, c'était une sorte de, de verrue là au milieu du, euh, du faubourg Saint-Antoine, donc on voulait euh, depuis longtemps la démolir. Et il y avait très peu de prisonniers, plus, je crois qu'il y en avait 7 ou 8 ou quelque oui. chose comme ça, euh, qui étaient, qui étaient d'ailleurs gardés dans des conditions assez correctes, enfin puisque c'était plutôt des prisonniers de... Généralement, qui avaient été placés là par leur famille, parce que c'était soit des débauchés, soit des, des violeurs, des, 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 des fous, même, enfin, voilà. Donc, on a, on a, on a une prison des... qui, était, qui oui. était vide, avec des, des, des pauvres... Les, les gardiens étaient... Enfin, les, les, les soldats étaient des, des invalides, hein. donc tout ça, ça a été une, gros, une mascarade, et en fait ces gens se sont fait massacrer parce qu'ils ont ouvert les portes avec un peu trop de, de naïveté et tout. ils se sont fait massacrer à ce moment-là. Vous écrivez donc au matin du 14 juillet, une bande d'insurgés réquisitionne 30 à 40 000 fusils entreposés aux Invalides. Comme plus tard à la Bastille, il y a tout, au plus un millier de meneurs rompus à la violence entraînant derrière eux une masse de badauds, de suiveurs et de curieux désœuvrés sans chef véritable. Dans les origines de la France contemporaine, Hippolyte peindra cette puissance formidable destructrice destructive et vague sur laquelle nulle main n'a de prise il distinguera écrivez-vous le peuple de l'attroupement cent mille dix mille individus rassemblés au mmh. hasard sur une motion sur une alarme et tout de suite irrésistiblement législateurs juges et bourreaux ajoutant avec justesse le propre d'une insurrection populaire c'est que personne n'y obéissant à personne, les passions méchantes y sont libres, autant que les passions généreuses et que les héros n'y peuvent contenir les assassins. Oui, Est-ce ben que ça tout est... ne se tient pas là ben Ça, c'est le, tout le problème de la psychologie collective, de la de, 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 de de, de psychologie de, de, des foules. Hein, on dirait de la pègre. Euh, de... Même pas, parce qu'à partir du moment où une foule... Euh, euh, même il y avait sans doute des tas de braves gens là-dedans. Hein. Mmh. Euh, mais et, comme je dis souvent, en fait, mmh. euh, dans tout événement politique, il y, y a 80% des gens qui suivent et qui ne font rien et qui sont, euh, euh, qui sont neutres, euh, qui attendent de voir venir. Euh, 10% qui sont du côté du manche et puis 10% qui résistent. Hein. On, on l'a vu encore récemment avec l'histoire de. Euh, du coronavirus, hein, euh, où 80% des gens bah, ont fait absolument tout ce qu'on leur demandait de faire, sans, oui, oui. Ah oui. sans bouger. Et puis, il euh, y a eu 10% qui ont, qui ont râlé un oui. peu, et puis qu qui se sont quasiment qu manifestés, etc. Et puis, 10% qui, au contraire, étaient à fond, oui. il fallait euh, se faire vacciner 25 fois, oui. euh, <laughs> tout, tout, tout fermer, etc. Donc, je crois que dans toutes les situations euh, historiques, c'est ça. Euh, la, la prise de la Bastille, c'est, comme je disais, quelques centaines de personnes, euh, pour la plupart des, 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 des malandrins, des, des trains de savates, etc., qui vont entraîner derrière eux des gens qui eux-mêmes ne participeront pas, mais qui vont regarder ça avec euh, amusement, intérêt, curiosité, etc. Mais c'est vrai qu'il euh, y a toujours une petite. Les révolutions ne sont pas faites par les, par les peuples, elles hein, sont faites toujours par une minorité. Euh, extrêmement, euh, Vous savez, le, la, au moment de la Convention, euh, on parle de la Convention Robespierre, etc., mais cette Assemblée de la Convention, elle a été élue par 10% de la population. Il euh, n'y a que 10% des électeurs qui ont, euh, qui, ont, qui ont voté. Et sur ces 10%, en plus, les, les candidats euh, royalistes ou les candidats... Beaucoup de candidats n'avaient pas, pas eu une voix au chapitre. Donc, en fait, c'est une... Une minorité, une petite minorité parisienne qui va euh, prendre en otage finalement pendant plus d'un an euh, mmh. la politique française, avec mmh. ça par derrière la commune de Paris, hein, qui était un deuxième pouvoir et qui aussi euh, doublait la Convention. Donc en fait, euh, ces, ces révolutions ne sont jamais faites par, mmh. euh, euh, par des majorités, mais toujours par des toutes petites minorités euh, particulièrement virulentes, euh, bon, qui vont au bout de leur... Euh, alors, on imagine euh, ce que recouvre donc ce, cette troisième époque de bouleversement de 1774 à nos jours. Je, je lis vos chapitres. La prise de la Bastille n'a pas eu lieu. Marianne la sanglante, la démesure impériale, les trônes de l'impossible, l'Algérie, une passion française, Napoléon III, le grand. Voilà. Là, vous prenez part. <laughs> Rouge, blanc, Later. bleu. Autant béni des colonies, une pas si belle époque. La boucherie de Verdun, une paix manquée, les illusions perdues, le vol noir des corbeaux et enfin les deux derniers monarques. Voilà, qui sont-ils Alors, <laughs> je suppose que vous parlez évidemment de Charles de Gaulle et de François Mitterrand. Voilà, je pense que disons avec la Cinquième République, de Gaulle a essayé, euh, d'instaurer un régime qui serait... En fait, c'est un peu ce que la, le XIXe siècle a toujours essayé. dire de, de trouver une, un compromis entre l'ancienne France, entre les traditions de l'ancien régime et euh, la démocratie et la... Voilà, la, 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 la nécessité d'un... Une double légitimité. Euh, une double, voilà, voilà. Re, de retremper la légitimité oui. traditionnelle dans la légitimité populaire et, la, et, et le vote, etc. Et donc ça, ça a été... C'est ce que je dis d'ailleurs, les trônes de l'impossible, parce qu'au XIXe ouais. siècle, on a eu euh, d'abord Louis XVIII voilà, oui. qui a essayé de faire ça avec la charte, puis ensuite Louis-Philippe. Euh, ils auraient pu réussir enfin Charles, euh, euh, Charles X. Euh, mais qui lui a raté, a, oui. lui, Charles X. Louis XVIII avait essayé, Charles oui. X a fait capoter un peu oui. l'affaire. Euh, ensuite, on a Louis-Philippe. Euh, mais finalement, à chaque fois. C'est aussi un peu le hasard qui fait que, que ça marche pas, parce que Louis-Philippe, son fils meurt dans un accident de voiture, alors que lui aurait certainement pu pérenniser le, le régime, hein, comme ça a été le cas en Belgique, où ils ont quasiment, la, 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 ils ont quasiment comme, comme, comme constitution. constitution celle de Louis-Philippe, hein, oui. celle de 1830 mmh. pratiquement, mmh. et ça marche oui. bien toujours, depuis. Euh, mmh. Donc Louis-Philippe, ensuite, là, la Seconde République... Bon, et puis le Second Empire, et c'est pour ça que je parle de Louis, euh, de napoléon III oui, le Grand, parce vous que vous faire ça, parce que voilà, parce là que aussi c'est une révision très utile bah, que je vous trouve que c'est un personnage. Hein, contre... voilà d'abord parce que par rapport à Napoléon Ier, <laughs> euh, bon bien sûr le, 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 le ça se termine par Verdun et par euh, euh, par une. Pas par Verdun. Pas, pas... par Verdun, non. <laughs> par par, par Sedan, je me disais, oui, oui, oui c'est pas très, très loin, Napoléon mais, enfin, 3, Par 3, voilà, Napoléon III. Euh, par oui, Sedan, et donc par, par une défaite. Mais euh, Napoléon III, c'est celui qui va instaurer la France moderne, qui va oui, oui. construire Paris, euh, qui va quand même apporter une certaine justice sociale, par le, autorisant les syndicats. Euh, et vers la fin du règne en 1870 il, il rétablit la marine aussi. Il rétablit la marine et il bon développe un peu les colonies. Euh, puis aussi il euh, y a ce, ce, ce grand. Mais il y, y a un, euh, y a une, euh, un vrai euh, bonheur de vivre retrouvé. Voilà. Et, et sur une longue grand, période, puisque le référendum de 1870, oui. début 1870, lui donne. Hein, Encore plus, 90 voilà. Alors de... là, c'est toujours le problème entre oui. Paris qui était anti-Napoléon et oui. anti-impérial, et puis la province qui oui. était tout à fait euh, d'accord pour garder le régime. Mais on avait en 1869 un, oui. instauré un régime qui était une, une sorte de monarchie parlementaire. Oui. Euh, qui aurait évolué encore euh, sur, vers plus de démocratie petit à petit, mais qui aurait été un régime finalement euh, parfait pour la France, qui, qui préfigurait un peu la Ve république, c'est-à-dire avec un chef d'État qui quand même avait une certaine stature, des prérogatives, euh, qui, des prérogatives, qui avait un certain pied dans la tradition euh, historique. Euh, donc finalement, oui, ça aurait pu être une, ça aurait pu être un régime qui aurait euh, euh, qui, qui convenait à la France parce qu'effectivement effectivement, ce qu Mais le, jeu un des, petit peu, le jeu des républicains là encore a été épouvantable. Bah, euh, oui, de toute parce manière. Parce que cette euh, guerre, ils l'ont voulu. Hein, la guerre. Oui, euh, ils Napoléon III la voulait pas. Napoléon III était un peu oublié mmh. un peu, un peu conduit, contraint. Euh, contraint à la fois mmh. par les ultras de, de son bord, l'impératrice, mmh. etc., qui pensaient retremper la. Euh, oui. La légitimité impériale, d'une manière définitive. Non, mais dans ça a été. Dans euh... oui, mais, quel, quel... mais ça a été une. Euh... Oh, bah, ça a été une. Gambetta euh... a eu un jeu extrêmement. C'était, on était dans, dans l'aveuglement, mais ça, oui. l'aveuglement, on l'est encore aujourd'hui quand on voit euh, euh, ce, ce qui se passe en, en Ukraine. Euh, on se rend pas compte dans quel euh, dans quel bourbier on, et dans, quel, dans vers quel euh, monstruosité, on, on, on risque d'aller. Hein. Donc c'est C'est ça... Ah, surtout qu'on ne de... parle pas des centaines de milliers de morts. Absolument, qui sont vrai, hein. ah oui 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 des, des civils et militaires quand même qui sont euh, des deux côtés, des deux côtés qui, 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 qui sont en plus euh, qui appartiennent oui. au même peuple d'une certaine manière. Enfin bon, c'est vrai que non, c'est c'est tout à fait tout à fait tragique. Euh, et en plus, c'est l'Europe qui se encore une mmh. fois, qui se suicide. Hein. Enfin, c'est un nouveau suicide de l'Europe après celui de 1418. Oui, vous celui considérez de que c'est comparable à ah, Là, on, euh, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Oui, disons que même. Et c'est euh, en train de. Dieu merci, en train de dégénérer. J'espère hein, que dégénérer. ça va s'arrêter, <laughs> mais on est, on est presque à, le, à la à la l'aube troisième, troisième, tra, tra, troisième oui. suicide de l'Europe. Oui, oui. oui les, la guerre mondiale, ça a été à chaque fois un suicide de l'Europe, mmh. hein, parce que qui a, qui a. Qui a souffert, ça a été l'Europe à chaque fois. Hein. Là, ça, là, c'est la fin de l'Europe hein. si vraiment euh, plus sont des pays qui ont une démographie déjà très très chancelante. Bien sûr. Donc euh, non, c'est extrêmement, extrêmement. Bah, vous inquiétant. parlez bien de la boucherie de Verdun. Donc euh, bon, bah, on oui, imagine oui, oui, qu'une troisième guerre mondiale, ce serait une boucherie ah bah, encore plus Et puis là On a déjà avec un million la guerre, morts, euh... on a pratiquement déjà un million de morts. Il y a hein, déjà depuis, un million de morts, euh, je crois. Mais... Enfin, je sais pas, chacun parle de 350 000. Enfin, oui. après, les chiffres sont, sont gonflés, etc. Mais disons, chaque, chaque camp a bien eu 300, 300 400 000 morts, hein, déjà. Oui. Donc, euh, bon, voilà. Enfin, bon. Bon, écoutez, je vois que vous êtes un homme de paix. <laughs> bah, C'est-à-dire que, justement, l'histoire <laughs> peut, oui. peut nous apporter des enseignements pour savoir comment sortir de ce genre de situation euh, qui se. Vous dire, vous euh, avez ouais. un long épilogue. Euh, Alors mon épilogue, euh, oui. Se damné. réconcilier avec son histoire. Vaste programme. <laughs> vous n'êtes pas très wokiste. <laughs> non. Bah, D'ailleurs, le sous-titre, pas de repentance, c'est parce que effectivement, l'idée de. Euh, moi, je pense que on... l'histoire, le, le, l'historien n'est pas un juge. Hein. On doit pas. Il n'est pas là pour distribuer des bons points ou des mauvais points en disant, regardez comme nos ancêtres étaient horribles et affreux. Je pense que dans un siècle ou deux, quand on verra ce que l'on fait aujourd'hui. Euh, ce, que les, ce, qui, ce qui semble logique et normal aujourd'hui, je pense à GPA ou, à, ou au fait de, 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 de bourrer les gamins d'hormones pour changer de sexe, enfin des trucs oui. euh, tout à fait, euh, je pense que dans un siècle ou deux, on dira mais ils étaient complètement dingues au 21e siècle. Euh, donc on, essayons de ne pas juger avec nos œillères d'aujourd'hui. Hein, euh, de, juger le passé. Et de juger le passé, voilà, le juger, de... on peut juger notre époque mmh. actuelle parce que on en est, on en fait partie, mais le passé, bah, le passé, voilà, le passé, d'abord ils avaient des, ils avaient d'autres, d'autres manières de voir les choses, euh, et puis ça sert à quoi de les juger Enfin, on va essayons de les comprendre, essayons d'expliquer d'abord ce qui, ce qu'il en était, et euh, essayons de les comprendre. Euh... Vous avez, une très belle, vous avez voilà. une très belle citation de Renan. Oui. Hein, euh, une nation, donc la nôtre évidemment, mmh. est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une constituent cette âme. Ce principe spirituel. L'une est dans le passé, mmh. l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche leg de souvenirs l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble. La volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Mmh. Souvent, on oublie cette fin de la phrase oui, oui. de Renan. On mais parle ouais. du vivre ensemble, mais on oublie qu'il parle d'héritage. Ben, <laughs> c'est-à-dire que, d'abord, bon. euh, oui, Renan, c'est donc. Euh, ce sera votre mot 10... de la fin. Voilà, on est au 19e siècle ah. et on a cette vision oui. française de, de la nationalité qui s'oppose à la vision allemande, qui est une vision euh, est du sang, de Les la race, de la race, etc., culturel. qui ne correspondent pas à grand-chose, qui sont quand même très, très. Mm. Voilà, et qui vont amener à ce qu'on sait de l'Allemagne du 20e siècle. Donc, Renan, oui, effectivement, nous dit. Pour faire une nation, il faut d'abord se souvenir du passé, donc dont l'intérêt de l'histoire, euh, l'incorporer ce passé. Et ça veut dire que des, oui, des gens qui viennent de l'extérieur mais qui vont s'installer en France et qui veulent bien incorporer ce passé, bah, ils seront français. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas une question de race. C'est pas une question que le type soit noir, blanc ou jaune, euh, il va pouvoir, s'il le veut, euh, incorporer ce mmh. passé mmh. et le faire vivre euh, aujourd'hui et le faire prospérer demain. Donc, ça, c'est vraiment la vision française de, 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 la, de, la, de la nation. C'est-à-dire l'idée que c'est un, un groupe humain qui a décidé de, 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 de faire fructifier un héritage. C'est ça. Mais bon. Il faut garde. déjà partager cet héritage. Parce que si voilà. on fait venir effectivement oui. des tonnes de gens qui ont Anogène, un autre héritage, de, de, ils vont de... euh, par définition. Et on ne va pas leur, les critiquer vous, pour vous ça. Vous vous en prenez à la construction voilà. européenne qui a. Qui, qui déraille. Alors, ça, c'est autre chose. Là, quoi, déraille, oui, c'est encore autre chose, parce que la construction européenne tire aussi dans un autre sens qui est de détruire. Avec euh, la perte de souveraineté, l'afflux voilà. incessant des populations, voilà. bref. Vous vous dites que le riche legs de souvenirs communs, le désir de vivre ensemble, ne va pas sans la maîtrise d'une certaine démographie bah, euh, oui. et d'un certain équilibre. Ah bah, la démographie, de toute manière, est la clé de l'histoire. Hein. Euh, la démographie est vraiment l'ultime ratio, la dernière raison Alors, de, de l'histoire. Le, 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 le nombre fait tout. Hein. -à -dire de que, toute façon, on, je voilà. laisse les auditeurs prendre connaissance de voilà. votre livre. <laughs> Il continue. L'histoire de France, ni romance, ni repentance, préfacé par Jean -Tulard de l'Institut, 25 euros via Romana. Et précisons que vous dédicacerez votre ouvrage samedi. Oui. À, au comptoir des monastères voilà, rue Galande rue Galande Galand, 33, Galand, 33 rue Galande Galand, dans le 5e et voilà. à, à partir de 15h voilà, à 19h je crois ce samedi voilà donc je oui. vous attends tous et vous y signerez <laughs> Anne de Kiev également oui, aux oui. éditions oui, oui. du, CERF, euh, du voilà. Cerf qui sont en, en livre de poche et c'est vrai que Anne de Kiev c'est un, un sujet qui actuellement peut nous être peut nous éclairer éclairer oui. la, 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 la tragédie que nous vivons Merci voilà. beaucoup Philippe Delorme et merci à tous. Vous venez d'entendre Au fil des pages, dirigé par Benoît Mancheron, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 18 septembre 2024, de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder pour une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de cette émission. Commandez le cd pour le prix de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Et je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.